Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens, de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez, mais vous n'avez point écouté. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sur le terebinthe d'Orpha qui appartient à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon son fils battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disaient, « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte ? » Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre dans les mains de Madian. » L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» On continue. Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël ? Voici ma famille est la plus pauvre de Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » L'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi. Tu battras Madian comme un seul homme. » Gédéon lui dit, « Si je trouve grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parle. » En nous crapé là, parce que nous déjà lis en pile déjà et déjà mettons tout dans le contexte. Je dis à Malwa avec vous, le faible estime de soi. Il y a un pile chrétien qui en dans l'église, qui a servi mon Dieu, pareil, c'est grand chose dans la vie. C'est parce qu'il y a une estime de soi qui est faible. Il y a des bagailles qui sont capables de ça. Parce que des fois, nous pensons parce que nous convertis, nous croyons en Jésus-Christ, nous ne pouvons rien pour le faire encore. Nous simplement à prier, jeûner, mais sans nous pas penser que nous avons des capacités spirituelles énormes qu'on donne. Nous. Maintenant, le Saint-Esprit m'a demandé pour me parler ensemble avec vous pour le faire connaître que vous avez une capacité en dedans qui est cachée et que c'est lui, bon Dieu, à utiliser. Maintenant, avant d'aller avec vous dans la faible estime de soi, il a bien défini pour vous-même. Ça veut dire estime de soi. Une estime de soi, c'est un sentiment de valeur personnelle. Un sentiment de valeur personnelle qui, des fois, manifesté. Un sentiment de valeur personnelle qui manifesté, des fois, par la compétence qu'on gagne. Ou bien statut social. Ou bien réalisation qu'on fait dans la société. Ça, il constitue estime de soi. L'estime de soi, complètement ou bien intimement lié avec la confiance en soi. Même si il y a une certaine faible différence, mais il y a lié en pile l'estime de soi et la confiance en soi. D'ailleurs, c'est estime de soi ou bien estime que vous avez de tête pour le permettre que vous confiant. Pour le permettre que vous confiant. Cependant, moi, de refuser de mettre l'estime de soi basé sur la compétence. Si nous basons sur la compétence, ça peut arriver. Nous prenons trop orgueilleux. Nous prenons dire c'est parce que moi fais quelque chose qui fait moi qu'a réussi dans la vie. Mais moi-même, d'abord définir estime de soi ensemble avec vous selon la Bible comme étant
le potentiel que bon Dieu investit dans nous. C'est étant le potentiel que bon Dieu investit dans nous. Parce que dans Philippiens 4, verset 13, l'apôtre Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Si l'apôtre Paul est capable de dire, je puis tout par celui qui me fortifie, en quelque sorte, l'apôtre Paul reconnaît que cet esprit qui a fortifié, que Jésus qui a fortifié. Mais en même temps aussi, il prend responsabilité, il dit, moi capable. Moi capable parce que j'ai l'esprit bon Dieu qui a fortifié. En quelque sorte, l'apôtre Paul n'a pas diminué la capacité, il n'a pas diminué la valeur. Il reconnaît quelque part. Bon Dieu investit une compétence dans lui-même. Et cette compétence balle une valeur pour lui dire que ça que moins capable de faire quelque chose. Et c'est raison ça, on même cap coûter je dis. Là où on finit converti, bon Dieu pas effacé. Au contraire, bon Dieu investit quelque chose dans lui-même. En dedans. Et c'est cet investissement qui va le permettre que vous fassiez quelque chose. Eh bien, en nous entrant dans le texte là, Jules 6 là, pour nous voir comment que Gédéon a une faible estime de lui-même. Malgré bon Dieu compter sur lui, malgré bon Dieu relé le héros, mais il n'a pas cru en bon Dieu. Parce qu'il réalisait une faible estime de lui-même. En regard de contexte d'abord, qui gens que les anges n'ont fait venir contre Gédéon, la Bible fait nous comprendre que Israël fait ça qui mal dans les yeux, bon Dieu. Qui ça, bon Dieu fait? Bon Dieu placer Madian pour capable ramener Israël à l'ordre. Maintenant, la Bible dit la main de Madian était puissante contre Israël. Ça veut dire que bon Dieu quittait Madian, frappait Israël très fort. Parce que dès qu'on arrive, non, désobéit, bon Dieu. Faut que situation pire pour vous, pour qu'à songer, bon Dieu, pour retourner. Et ça fait que des fois, bon Dieu, quand on quitte l'ennemi, on frappe très fort. C'est parce que bon Dieu senti, c'est un frappe au fort ça, ou pas bien le choix, ou pas bien le monde qui peut aider, ou pas bien le monde qui peut supporter, donc on est obligé de retourner vers le bon Dieu. Et c'est ça qui fait dans la vie, nous tous persécutés, mais nous pas le même niveau de persécution. Niveau de persécution, nous, il correspond des fois à niveau d'obéissance nous ou désobéissance nous. Mais oui. L'élément, mais bon Dieu, puissant contre Madian, Israël lui-même, l'a essayé une solution personnelle. Les Madian a couru derrière, il y a le caché dans la ravine. Solution personnelle. Il y a le caché dans la ravine. Puis il y a ce qui a échappé à Madian. La Bible dit nous jusqu'à ce que Israël décide pour le chercher mon Dieu. Et c'est ça mon Dieu a cherché dans Israël. Pour le relèl. Parce que mon Dieu senti dans Israël. Israël voulait distancer de lui-même. Mon Dieu attend qu'il est pour Israël relèl mon Dieu. Parce que c'est mon Dieu qui dit dans Psaume 50, verset 15. Au jour de la détresse, invoque-moi. Ça dit dans Psaume 50. Parce que mon Dieu connaît. Faut que des tresses viennent dans la vous quand même. Faut ou qu'on ait des situations difficiles quand même. Mais dans la détresse, dans la situation, même Jean dit dans Psaume 50, verset 15. Là, au jour de la détresse, invoque-moi. Parle chercher ce coup dans mes mounes. Parle laisser une solution personnelle. Mon Dieu est là pour ça. Il est là pour les situations difficiles pour. L'île là, rencontrer des difficultés qui énormes. Bon Dieu là pour ça, rendez frère. Bon Dieu là, l'on senti que situation après aller à la dérive. Mais pour quelle raison je dis, hein? Malgré qu'on bon Dieu là pour même, ou à faire réticence, ou pas venir les bon Dieu. Et bien la Bible dit nous, lorsque Israël cria à l'Éternel, dans Juges chapitre 6, dans le verset 6, il dit, Israël criait à l'Éternel. Lorsque les Israélites finissent de crier à l'Éternel, dans le verset 7, la Bible dit nous, Israël tendait. Pas de monde qui sont en l'air. Dans le verset 7, la Bible dit nous, Israël tendait.
Là, Israël tendait Kounia. La Bible dit que bon Dieu tendait, dit. Le bon Dieu tendait Israël, nous voyons qu'il y a un bon Dieu pour agir. Parce que bon Dieu, son bon Dieu de principe. Premier bagaille, il dit lorsque les enfants, Juge 6, verset 7, il dit lorsque les enfants d'Israël criaient à l'Éternel au sujet de Madian, bon Dieu pourra faire deux bagailles. Premier bagaille, bon Dieu pourra le faire. Il va le voyant au prophète. Mais pour qui ça, bon Dieu pourra le voyant au prophète? Parce que bon Dieu a besoin de conscientiser le peuple. Bon Dieu a besoin d'établir une relation avec le peuple. Le peuple, peut-être, ça fait longtemps que le bat dans la présence de bon Dieu. Si bon Dieu vient lui-même personnellement, le peuple va pas reconnaître lui. L'obligé voyant au prophète pour préparer un état d'esprit dans le peuple. Pour le capable de dire, bon Dieu a voyé délivrance. Pour le capable de dire, bon Dieu dans la route. Ils voyaient un prophète. C'est ça que les précurseurs. Ouais, avant Jésus-Christ venu, bon Dieu voyait Jean-Baptiste. Parce que au niveau de relation, bon Dieu, après quelqu'un avec vous, si vous n'êtes pas habitué avec bon Dieu, vous ne pouvez pas prendre ce bon Dieu. Et au côté, bon Dieu, prend ensemble avec vous. Bon Dieu, obligé de faire un préalable. Parce que niveau ça, pas qu'on là. Peuple, ça, pas qu'on compte, bon Dieu. Il a crié à l'Éternel. Mais il n'a pas établi une relation personnelle avec bon Dieu. Bon Dieu, obligé, voyons un prophète devant. Pour aller conscientiser le peuple. Pour aller faire éducation au peuple. Pour aller préparer le peuple. Avant, bon Dieu manifestait lui-même d'abord. Il y a des fois dans la vie, à frère. Il y a des rêves qu'on fait. Il y a des paroles, bon Dieu dit. C'est pas comme ça, non? Bon Dieu a préparé. Parce que bon Dieu a senti que, dans le niveau que le pral commence ensemble avec quoi, le pral parle ensemble avec quoi, ou pas qu'on prêt pour ça. Il a préparé. Parce que, dans Juge chapitre 6, là, dans le verset 11, il dit l'ange de l'Éternel fait apparition. L'ange de l'Éternel. Maintenant, là, l'ange de l'Éternel apparaît. La Bible dit plus tard, c'est l'Éternel lui-même. C'est l'Éternel lui-même. L'Éternel paraît à Gédéon personnellement. Mais ça que fait Gédéon pas saisi. Ça que fait Gédéon pas ébranlé parce que. Prophète là, t'es quand on vient dit que l'Éternel a voyé délivrance. Donc, il n'y a pas qu'on qui genre de délivrance n'a venu. Mais t'es quand on a un état d'esprit qui était déjà là pour Gédéon, t'es qu'à connaître que bon Dieu a venu. Mais ça nous réalise dans le texte là aussi, c'est que Gédéon, on dirait qu'il était habitué avec le surnaturel déjà. Parce que dans la Bible, à chaque fois qu'on monde qui paraît, bon Dieu paraît à un monde. Nous avons toujours un état de saisissement. Gédéon pas saisi. C'est de bagaille, soit Gédéon, tu es déjà habitué avec bon Dieu. Ou bien Gédéon est ton être qui est impassible. Dans l'état de la ville, il n'y a rien qui est étonné. Parce que nous dans la vie a tellement souffri. Nous dans la vie a tellement connu des situations difficiles. Pas rien qui est étonné. Il y a une tournée des gens qui sont impassibles, c'est-à-dire que quel que soit sacrifié, il n'y a pas rien qui étonne. Parce que vous connaissez que la vie, son système de douleur, pas de joie, pas de tristesse, pas de douleur, il y a seulement à vivre. Donc c'est peut-être à ce niveau que j'ai dit hier, parce que l'ange n'apparaît, l'Éternel lui-même. Je l'ai supposé qu'on réaction. Monsieur était calme. Parce que monsieur senti manger le vin fait. Senti manger le vin fait. Monsieur était calme. Mais l'Éternel parle poser monsieur qui sont quand même. Calme. Maintenant, ça me voit ensemble avec aujourd'hui. Voilà les caractéristiques qui l'ont Gédéon. Qui démontrent que Gédéon a une faible estime de soi. Il a une faible estime de soi. Il a une mauvaise conception de lui-même. C'est le plus mauvais bagage que l'on a dans la vie. Lorsqu'on a une mauvaise conception de lui-même. Parce que dans la vie, il
pas qu'il monde qui a levé tête tout. C'est ou même sous besoin respect. C'est ou même qui met en position pour mon respect. Sous besoin fonctionner bien. C'est ou même qui vous met en position pour qu'elle fonctionne bien. La vie est comme ça lié. Premier bagage nous dans la question de faible estime de faible estime de Gédéon. Gédéon parlait en pile. Je parle en pile. C'est toujours comme ça, moun qui pa gen rien pour Dieu parler en pile. Et moun qui pa gen substance en dedans yo, yo parler en pile. Et ce genre de personnes, ce sont des personnes qui ont faible estime de soi parce que pensent que si on a parlé, il y a qu'à démontrer qu'ils sont capables. Et ben la parole pour démontrer qu'ils sont capables, c'est l'action qu'on a fait pour démontrer qu'ils sont capables. Parce que très souvent moun qui parle en pile, c'est moun qui pa fan rien. Dans Jacques 1er verset 19, mettez-le-moi sur l'écran. Il dit que ça, c'est pour nous prompt à écouter. Jacques 1er verset 19, s'il te plaît. Il dit c'est pour nous prompt à écouter. Il dit sachez que tout homme soit prompt à écouter. Lent à parler et lent à se mettre en colère. Regardez, quittez le texte à la pointe. Jacques font corrélation avec trois bagages. Ça, parler, écouter, colère. Ils ont tous les trois liés ensemble. Il dit parler, écouter, colère. Ou après, les gens qui aiment parler en pile, ils mettent en colère pour un rien. Parce qu'ils n'ont pas bon temps pour comprendre. Ils n'ont pas pris le temps pour gérer son abdia. L'homme n'a pas les frères, c'est pour écouter son abdia. Parce que les gens qui ont une virgule, qui ont échappé dans sa monde, dans le monde, et puis ils crachent toute phrase là, et pour craser le corps. Pour qu'ils soient en colère. Pour qu'ils ne soient pas en pile. C'est ça, Jacques dit. Il dit frère, c'est pour tout le monde, prompt à écouter. Restez attentif dans sa créature. Il dit lent à parler. C'est-à-dire, tendez plus qu'on parle. Et puis il dit lent à se mettre en colère. C'est-à-dire, de reconnaître qu'on est en colère, mais prétend que colère au palgain, c'est une colère qui est justifiée. Que colère au palgain, son colère, les regarder, ils ont son colère qui est justifiée. Pas mettons en colère pour n'importe qui bagaille. Que les gens qui fâchent pour un bagaille, c'est parce qu'ils ne prennent pas le temps pour te tendre ça à ta petite. Tendre ça à ta petite. Dans Ecclésias chapitre 5, dans le verset 3, Salomon dit que ça que, Ecclésias 5, 3, Salomon dit que ça que, insincère. Ecclésias 5, 3, il dit insincère. Il dit insincère, qui ça le fait? Lui parler en pile. Lui parler en pile. Est-ce que c'est Ecclésias 5, verset 3 qui sous écran. Il dit insincère, qui ça le dit? Il dit dans multitude de rêves. Il dit dans multitude de rêves. C'est Ecclésias 5, verset 3. Il dit dans multitude de rêves. Ma plus texte, ça me dit moi-même. Dans Ecclésias 5, verset 3. Il dit, sachez les frères bien-aimés. Il dit, car si les songes, naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude de ses paroles. La voix de l'insensé se fait entendre de la multitude de ses paroles. Insensé, pour le cas qu'on est montandel, c'est pour le parler en pile. Mais qui ça qu'on est insensé même? Yon insensé. C'est un monde qui sans sens. Yon monde qui sans sens. C'est comme si un monde qui était parti du fou. Lui dit la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude de ses paroles. Ça n'a pas l'air à le penser que le café moun tande. Frère, m'gène espoir, fais silence. Ou pas dire rien.
Et puis dans le silence qu'on ne pas dire rien, ça qui fait. Ou parler plus que les gens qui parlent. De gros professeur en Haïti, qui a fait littérature française pour en Haïti. Je n'ai pas besoin de citer non, monsieur. Monsieur très court, ni très mince. Monsieur très court, ni très mince. Mais monsieur a un pile connaissance. Là où monsieur a fini, il a un couloir pour aller dans la classe. Là. Pour les gens qui ont un collège Saint-Jean-Aucaï. Tu as un couloir, c'est la petite école dans le collège Saint-Jean-Aucaï. Tu as un couloir pour aller dans la classe. Là. Là où il entre dans la classe. Là. Élève qui campé dehors. Monsieur pas besoin mande élève entre début il fait ça la paraître. Il va même parler même. Ouais tout élève courir entrer, yo chita tout monde fait silence total. Il pas besoin parler, il pas besoin faire action, il fait tout monde fait silence total. Et pour dire notre professeur qui pique un pic de corpulence, qui parle en pile, qui font pas quelques bonnes paroles, yo qu'on paraître. Yo entre dans classe là. Élève commence à parler, il fait n'importe qui ça vous voulez, il va pas imposer silence. Mais monsieur, malgré de petite taille, il pas de gros corpulence, depuis il paraît, tout le monde fait silence. Pour qui ça? Parce qu'il impose silence. Silence, ce n'est pas l'en deal pour le deal, mais c'est dans lui-même, ça qui est dans là, ça qui est dans lui-même. Non. Ça qui approcher et ça qui fait, ou pas besoin de parler en pile. Non, debout, son monde qui a servi mon Dieu, qui a l'esprit mon Dieu sous-même. Ou pas besoin de parler en pile. Dans Matthieu chapitre 8, il dit Jésus-Christ paraît. De loin, de mon de Gadara, commencez, ouais, monsieur qui a parlé, depuis de loin, de mon de Gadara. Jésus-Christ n'a pas besoin de parler lui-même. Présence lui imposer quelque chose. Présence lui définit quelque chose. Et ça fait, Salomon dit, insincère. Il a fait tant de voiles par multitude de paroles qui sont dans la bouche. Mais ce n'est pas vrai. Nous regardons, ça crivé à Gédéon. Dans Juge chapitre 6, là. Dans verset 11, là. Bon Dieu dit à Gédéon. Sassi dit à Gédéon. Verset 12, en allant verset 12, qui ça le dit Gédéon? Lui a parlé, dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Je ne sais pas même quitter l'Éternel fin de parler. Dans le verset 13, voilà ça, monsieur répond. Il dit, on lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel était avec nous. Bon Dieu dit seulement deux mots. Regardez quoi son phrase, monsieur dit. Pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent l'Éternel ne nous fait pas sortir en Égypte, maintenant l'Éternel nous abandonne et il le livre entre les mains. La petite bagaille qu'il n'est pas au courant, qu'il n'est pas connaît. La petite bagaille, la dépalé. Qui sait tout, bon Dieu, abandonné? Qui sait tout, bon Dieu? Ou pas doit exprimer état d'esprit ou? En fonction des autres, vous devez parler propre tête par. Parce que les gens, la fin, la fin, les gens, si vous êtes noir pour vous, c'est pour tout le monde noir. Les gens, si vous faites l'évangile qui mal, c'est tout le monde qui fait l'évangile qui mal. Les gens, si vous vivez le péché, c'est tout le monde qui vit le péché. Parce que l'estime de soi que vous avez qui faible, vous voulez refléter sur l'autre monde. Frère, condition la vie, il va continuer la vie tout le monde. Sort à traverser personnellement. Regardez le verset où bon Dieu va répondre. L'Éternel se tourne avec lui. L'Éternel va répondre. Ça me chape, tiens. Parce que senti, bon Dieu, senti son est cap déliré. Son est cap pas l'empile. Bon Dieu, senti son est qui va dans lui-même. Bon Dieu dit va avec cette force que tu as. Vous verrez un homme, monsieur, je ne sais pas. Il a une capacité en dedans, mais à cause de faible estime de lui-même, il n'est pas ouais qu'il est capable de faire quelque chose. Il y a des gens qui ont fait échec dans la vie. Il y a des gens qui ont échoué dans la vie. Il n'y a pas d'appeler pour échec, il n'y a pas d'appeler pour échouer, non. Mais il n'y a pas quoi, il n'y a pas d'estime de soi. Il y a senti, il n'y a pas vu rien.
Mais mon Dieu patient. Donc première caractéristique d'un monde qui a faible estime de soi, c'est parler en pile. Ça français a relé locas ou parler en pile ou parler coup jaco ou répéter ça mon abdi. Ou exprimer des choses qui pas réelles. Ou exprimer des choses qui pas réelles parce qu'on a déparlé. On a déparlé. Même Jean-Élie pendant la dépression là, il dit le seul grand monde qui a bataille pour l'Éternel. L'Éternel dit ferme la bouche là. Il y a 7000 hommes qui pas jamais mettre à genoux devant Baal. Il y a 7000 hommes. Alors je dis, pas faire une projection de état à tout le monde. Reconnaître soi vivre là ou à vivre personnellement avec l'Éternel et demander bon Dieu pour arranger ça pour moi. Deuxième caractéristique qui montre un monde qui a faible estime de soi, c'est lorsque le monde est associé avec l'environnement. Pas le responsabilité. Il est associé avec l'environnement. Ça, environnement a passé, c'est lui qui a passé aussi. Il n'est pas retrouvé selon lui-même. Il est toujours l'un de nous responsable des situations. Il est toujours l'un de nous responsable des états, des conditions. Pour qui ça? Parce qu'il ne connaît pas rien. Il n'a pas qu'à faire action. Et même Jacques Gédéon. Même Jacques Gédéon. Nous autres, verset 12. Remettez le juge 12 d'après encore. Il dit à l'Éternel. Il dit à l'Éternel. Nous ne pas rien. L'Éternel a abandonné. Nous ne pouvons pas voir rien. Nous n'avons pas ce misère. Verset 12, verset 13. Dans Juges 6 là. Il y a associé avec le peuple d'Israël. Il y a associé à sa cap traversée. Moi-même, moi, deux réfugiés, je dis. Pour m'associer avec la majorité. Moi, deux réfugiés, je dis. Pour me prendre monde comme exemple dans la relation avec mon Dieu. Moi, unique. Moi, de refuser, je dis, pour m'accepter ce qu'a fait dans la société, pour me capable de caractériser ma lui-même. Moi, c'est quoi? Bon Dieu, qu'a choisi. Moi, c'est quoi? Moi, qu'a fait la différence. Non. Si j'ai un échec, je suis obligé d'associer ma l'échec. Si j'ai une défaite, je suis obligé d'associer ma défaite. Moi, c'est une entité personnelle que bon Dieu relève. Ni m'babay moun pour tes responsabilités de échec moi ou réussite moi. Échec moi dépend de moi, réussite moi dépend de moi. Parce que je suis entité personnelle devant mon Dieu. M'a dit c'est à cause d'un tel qui fait me barrer ici. M'a dit c'est à cause d'un tel qui fait. Non, je suis associé avec la collectivité. Je dis l'Éternel. Senti moi se manger, m'y manger. Je dis l'Éternel. Mon Dieu n'a pas fait rien. Mon Dieu sans force. Mon Dieu sans courage. Il dépend des autres. Et ça fait maintenant de mettre pour moi. Dans Juges 7, dans le verset 2. Dans Juges 7, dans le verset 2. Après Gédéon. Pour le cas sentir la confiance. Là, choisi pas quatre mounes. Et Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as choisi est trop nombreux. Pour que je livre ma tient entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Qui m'a la pointe. Il dit, l'Éternel obligé de venir jeune. Mais quand, pour qu'il soit choisi quand c'est un monde ça. Bon, c'est un héros. Bon, Dieu est le héros. Ça, il dépend de monde. S'il n'y a pas un pile monde avec elle. S'il n'y a pas de monde qui a fonctionné ensemble, il n'y a pas senti bien. Il y a des gens, frère. S'il n'y a pas de monde qui a prouvé, il n'y a pas senti les valeurs. Il y a des gens, s'il n'y a pas de monde qui dit, ça fait à bon, il n'y a pas senti les valeurs. Et ça fait Gédéon, il est tellement senti que, il dépend des autres, il n'y a pas de monde. Je ne dis pas, il n'y a pas besoin de monde, non. Il y a besoin de sentir que bon Dieu est qualifié. Vous avez besoin de sentir que bon Dieu est là. Vous n'avez pas besoin de pile monde matin. Même si les amis quittent ou famille quittent ou monde quittent ou, ça fait garder avec Dieu. Nous ferons des exploits.
J'ai besoin de mon Dieu seulement. Moi, j'ai besoin de mon Dieu seulement. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Je dis, même si tout le monde abandonne, même si tout le monde quitte, parce que mon pape appuie sur le monde pour me réussir. Et ce bon Dieu m'a pas appuyé. J'ai de yon à choisir une quantité de monde qui est démesuré. Il n'y a pas même quitté bon Dieu, dit combien de monde pour choisir. Bon Dieu a suivi, bon Dieu a regardé juste côté. J'ai de yon après si prend conscience que c'est l'esprit bon Dieu qui est dans. Bon Dieu a regardé juste côté. J'ai de yon après si prend conscience. Et pas lui capable, c'est pas pour le compter sur le monde, compter sur l'éternel et compter que bon Dieu a utilisé comme serviteur de l'éternel. Dans plus le monde qui a écouté là, je dis, qui compte sur le monde. Si un tel parle avec dans la mission, on va aller. Si un tel pas entré avec moi, dans le jeune, on va pas entrer. Il y a trois petits mouns qui a participé. Ah, pas rien assez de monde, non. Je dis, il faut retirer ça dans la pensée. Pas associer avec l'environnement. Pas associer avec la foule. Ou son entité personnelle. Ou même seul, bon Dieu, qui a utilisé pour faire des bagailles. Ou même seul, bon Dieu, qui a utilisé frère Maxime dans le Seigneur. C'est la même chose qui est arrivée à Moïse. Le bon Dieu, le Moïse. Moïse dit, je ne suis pas capable de parler. Bon Dieu dit, je ne peux pas parler. Il dit, non, j'ai besoin de monde qui parle la même. J'ai besoin de monde qui parle la même. Faible estime de soi. J'ai besoin de monde qui parle la même. J'ai besoin de monde qui parle avec moi. J'ai besoin de monde qui parle avec moi. Je dis, le Saint-Esprit dit, pour me dire comme ça. Bon Dieu dit, non, Matthieu 10, verset 20, l'on va arriver devant magistrat, l'on va arriver devant un qui a connaissance, l'Esprit du Père a parlé pour vous. Il dit, le seul Esprit de votre Père qui parlera en vous. Pas parce que c'est avocat qui a fort gagné. Pas parce que c'est monde qui a fort parlé bien. Quoi, je dis, c'est le Saint-Esprit. Quoi, Matthieu, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Celui qui peut faire réussir. Celui qui peut faire arriver contre toi, Pralia. Le Saint-Esprit. C'est lui-même. Moïse dit que l'Éternel, même si vous faites parler, j'ai besoin de mon nom pour pouvoir bien articuler moi. Si vous avez l'eau comme prédicateur, si vous avez l'eau comme serviteur de l'Éternel, même si vous ne pouvez pas lire, vous pouvez parler. Même si vous n'avez pas un bel langage, bon, ça, mon Dieu, besoin, c'est qu'on communique la parole. Mais pour quelle raison? On va faire réticence. Est-elle pas les bien passés? Est-elle qu'une plus bonne diction passée? C'est où est mon Dieu, pas où est-elle? C'est qu'on est, mon Dieu, pas qu'on est-elle? Pour quelle raison c'est que toi, mon Dieu, vini? C'est parce qu'on est capable. Ou qu'on a un potentiel en nous qui cachait. Mais on cachait derrière la peur. Ou pas qu'on estime de soi. Échec fait Moïse. Vin perdre estime de soi. Bah, ça sont l'autre niveau. Dans la prédication, je suis ensemble avec vous. Pour me dire, pour qui raison moun perdit estime de soi. Chaque fait moun perdit estime de soi. Parce que, je suis en train de prédication, je suis ensemble avec vous. Et puis, je suis en ensemble avec vous. Comment pour moun capable de regagner confiance dans vous-même. Je suis en tout ça ensemble avec vous. Moïse perdit estime de soi. Et ça vient permettre les Moïse mandé pour aller. L'Éternel obligé de répondre à ça, M. Dia. Mais ça va le tourner en fouette pour lui-même. Tourner en fouette. Il m'a dit, ah, on compte prophète, il compte porte parole. Li. La Bible dit nous, ah, on a mis, il a mis levé campé contre Moïse. Il parlait Moïse mal. Il y a des gens qui font soulèvement contre Moïse. Si l'Éternel pape là, regardez ma boue bagaille. Si ou est bon Dieu. Initialement, par le roi qui tel pas frère, tel en bas de si depuis la bon Dieu d'après le roi, il n'y a pas d'association avec tel. Pas faire aucune association en dehors de mon Dieu. L'eau estime de soi.
Troisième caractéristique, l'homme qui a une faible estime de soi, il a une autocritique qui est négative. Ça veut dire autocritique qui est négative, il a une mauvaise opinion de lui-même. C'est un monde qui est pessimiste. Il a une mauvaise opinion de lui-même. Même si tout le monde a réfléchi bien, mais pour lui-même, il pense qu'il n'a pas de valeur. Il a critiqué propre tête pâle, lui, c'est échec seulement. Tandis que quelqu'un qui a applaudi lui, pendant qu'on n'a pas applaudi, il a encouragé, il dit ah, pas bon rien. Il a une autocritique négative, pessimiste. Mettez verset 14 là pour moi, s'il te plaît. Juste 6, verset 14. L'Éternel tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la maison de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? L'Éternel dit, monsieur, vous avez une force, non. Vous avez une capacité, non. En plus, vous voyez. Quel est-ce que je ne sais pas répondre? Verset 15. Il dit, ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Le Tout-Puissant qui a parlé avec monsieur. Bon Dieu que vous voyez, monsieur. Et tandis que dans le verset en l'air, monsieur dit que ça que grand-parents nous raconté comment on délivrait dans l'Égypte, comment on retirait dans l'esclavage, comment on fond la mer rouge en deux, comment on te bonne manger dans le désert. Gloire à Jésus-Christ, quittez le texte à ce que vous moi. Comment on fait miracle avec nous? Mais c'est même l'Éternel. C'est même l'Éternel que grand-parents ont dit que tu as fait miracle avec lui. Voilà. Qui te texte à sur l'écran, s'il te plaît. Voilà, c'est même l'Éternel. Dit monsieur Mboyo. Si bon Dieu te fait la mer où j'en ai à voyer. Si bon Dieu te voyait display à voyer. Si bon Dieu te fait jour de envoyer. Pour qu'ils ont questionné, ils disent, ah Seigneur, avec quoi délivrer Israël? Je ne sais pas si connaissez avec un bâton que Moïse te met Israël dehors. Je ne sais pas si connaissez avec un bâton que Moïse te fend la mer aux gens d'eux. Je ne sais pas si connaissez avec un bâton que Moïse te frappe Rochelle de bâille de l'eau. Je ne sais pas si connaissez avec un bâton. Moïse te traverse le désert. Il va te dire rien dans la main, il va te dire des âmes. Il va te dire mitrailleuse dans la main, il va te dire flèche. Quelqu'un javelot l'en mêle, yon bâton, ça veut dire que monsieur de supposé qu'on est. Si grand-papa ou yote qu'on a dit ça, c'est pour te battre la foi, c'est pas pour te tuer. Je dis Seigneur, avec quoi délivrer Israël? Eh bien, avec qui ça? Même Jean-Moïse te délivre Israël là, même Jean-Moïse va l'utiliser aussi. Low self-esteem. Grand-père, le serviteur couché la caille yon kounia là, qui a grand appel sous tête. Grand-père, le servante. Qui couche la caille kounya, qui a grand appel sous tête yo, mais yo pas croire en yo. Yo gon seul estime qui vraiment low. Yo gon estime de soi qui vraiment faible. Yap ton, parce que l'on ou fin converti, l'on ou fin kon bon Dieu, ou pas efface non. Remettez-le moi encore s'il te plaît, verset 14 là. Il dit mon Seigneur, verset 15, merci beaucoup. Il dit, mon Seigneur, mettez verset 15 là pour moi, s'il te plaît. Il dit, mon Seigneur, avec quoi délivrer Israël? Autocritique, monsieur, vraiment bas. Il dit, voici ma famille, elle est la plus pauvre en Manassé. Est-ce que c'est richesse qui compte baille mon puissance? Est-ce qu'on dit Moïse est riche? Est-ce qu'on dit Josué est riche? Moïse, c'est cette famille royale, bon Dieu, réduit. Mais le bal puissance. Josué, pas seulement une grande famille, mais bon Dieu, bal puissance. Qui s'acte fait mon puissance, qui s'acte fait mon pouvoir, c'est l'argent. Et mais Bill Gates a plus de puissance passé. Mais ça va associer, c'est ça que les autocritiques négatives là, oui. Il dit, voici ma famille, elle est la plus petite en Manassé. Il dit, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Je suis le plus petit de la maison de mon père. Mais, j'ai des gens, vous avez fait mieux que ça.
Gédéon, même si je ne vais pas arriver avec Moïse avec moi, je dis comme ça. Samson a comme un choix bourrique. Ici, on paquet de Philistins. Je dis comme ça, Gédéon. Bon Dieu prend les choses civiles de ce monde pour confondre les sages et intelligents. Pas chercher prétexte. Pas chercher prétexte. Pas venir une autocritique qui est négative. Pas commencer à venir passer le passé ou là. Pas recevoir grande éducation en Haïti. Pas tout le monde qui est dans la grande école. Pas venir commencer à parler de vous-même là de manière négative. Ce n'est pas ça. Bon Dieu, pas besoin d'apport. Bon Dieu, pas besoin de disposition. Bon Dieu, pas besoin de capacité. Bon Dieu, pas besoin de volonté. Gloire à Jésus-Christ. Je ne sais pas si je ne suis pas là pour dire. Bon Dieu, pas besoin qu'il soit capable. Mais bon Dieu, besoin de volonté. Et je suis la plus petite de la maison de mon père. Continuez pour moi dans le verset 16. Dans le verset 16, la plus petite dit, l'Éternel dit, je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Bon Dieu pas laisser justifier ça, monsieur Dieu. Non. Parce que bon Dieu voit son nez cap dépalé. Son homme qui est dépressif. Son homme misère, douleur, tracas a fait le dépalé. Bon Dieu voit monsieur pas dans état d'esprit normal. Parce que qualité gosse, bon Dieu, ça va pas parler avec vous. Il va répondre de l'autre façon. Quand il te pose, bon Dieu, ça va communiquer avec vous. Il va répondre de l'autre façon. Ah. L'Éternel dit, Gédéon, sans besoin. Ou besoin de rien. Voir à Jésus-Christ. Sans besoin. Ou besoin d'accompagner. Et sous ma rien. Ou à battre Mathieu comme un seul homme. Si m'accompagner. Ou à battre Mathieu, ou pas besoin ni famille, ou pas besoin ni tribu, ou pas besoin aucun monde. Avec seulement l'Éternel. Parce que pour Moïse, je te mets le peuple là-dehors. Il va y avoir une grande armée ensemble avec lui. Seulement lui-même, tu as devant Pharaon et puis il te met Israël dehors. Ah. Bon Dieu disait au Babel, non pas pouvoir, non pas puissance, mais ce n'est pas mon esprit. Depuis l'esprit, bon Dieu, non. Depuis l'esprit, bon Dieu a manifesté en nous. Ça, on a besoin. C'est bon Dieu qui a besoin. Autocritique. Il y a des gens qui sont pessimistes. Il y a des gens même lorsque le bon Dieu le voit échec. Il y a des gens même lorsque bon Dieu chita sous ta avancement avec le voit échec. Mauvaise opinion de soi. Frère, si bon Dieu ne trouve rien en haut, il ne va pas le chercher. Si bon Dieu ne croit rien en haut, il va la mettre en avant-scène. Parce que bon Dieu qu'on est capable. Suspendre critique et tout. Suspendre faire projection sur tout par rapport à vécu. Suspendre faire projection sur tout par rapport à sa maman passé, sa papa passé. Maman et papa, ils ont passé la vie par eux, ou bien la vie pas pour vivre. Et une bagaille, je ne vais pas dire ça pour moi. Pour me vendre cette point, il y a une chose que je dans la vie moi-même, je ne jamais regarder qui j'en ai fini pour m'associer à elle. Je toujours sorti dans la vie. Je ne jamais d'ailleurs. Toujours une conception dans la vie. Quel que soit ça, je ne vais pas brailler ou pour lui parce que je connais que bon Dieu ne peut pas quitter comme ça la foi avancée ensemble avec moi. Non! Je vais quitter souffrance, maman, souffrance, papa. Indiquez que je vais être dans la même situation. Non, maman, je te mène dans la ville. Papa, je te mène dans la ville. Je vais mener la vie, pam, selon mon Dieu. Et puis, une fois, nous associer la vie. Maman, on te fait un mauvais mariage. Le rencontre un jeune homme. Où est papa? Non, jeune homme, non. Son fausse conception qu'elle est. Papa, on te fait un mauvais mariage. Le rencontre en femme. Où est maman dans le mariage? Où est maman la femme? Il n'est pas bon pour vous. C'est pas même bagaille. Vie ou pas vie maman? Vie ou pas vie papa? Vie ou son vie que bon Dieu choisit pour vivre? Acceptez l'appel. Acceptez ça, bon Dieu, et l'eau pour faire. Et on va pouvoir être qui j'en ai réussi dans la vie. Gédéon,
pas associé avec tribu, pas associé avec famille, associé à sa bon Dieu toujours dit, associé à révélation mon Dieu pao, associé à Jean mon Dieu relé. Et dit l'Éternel, même si famille me depuis petit, même si me depuis petit, mais avec Dieu nous ferons des exploits. M'a suivre, ma chance avec vous. Quand mon la vie malgré bon Dieu mettre en position, il y a toujours une mauvaise conception de eux-mêmes. Il y a pessimiste, il y a négatif. Il y a négatif. Autocritique négatif. David Campbell dit, m'a encouragé propre tête pas. David dit ça. M'a encouragé. Même si je n'ai pas de monde qui peut encourager, m'a encouragé propre tête pas. Les mouem dans le désert. Les mouem dans la bergerie. Pas de monde qui peut encourager, m'a mis mes sous tête. Même dit David, vous avez une option pour Dieu. David, bon Dieu avec vous. David, pas de quoi. Parce que quand on y est frère, c'est où pour encourager tes tout. Quand on y est, c'est où pour booster tes tout. C'est où pour avancer tes tout. Parce que quand on y est, pas de monde qui est où l'enfer noir. Pas de monde qui est où. Parce que quand on y a un monde qui est la main. Moun est monde qui est visible. On a parlé avec un monde qui est visible. De pour pas visible, frère, pas où est. Mais quand on y est, seul bon Dieu pour où est. Encourager tes tout. Autocritique négatif. Slow self-esteem. Estime de soi faible. Il n'y a pas de valeur personnelle. Pour quitter la vie, amener à aller, ça le fait le faire. Même Jacques Gédéon, ou à chita en bas, dit puis terre maintenant. Ou à cuit tout petit manger pour manger. Ou sans avenir. Ou sans destinée. Ou à prendre la mort. Et pourtant, il y a un bagage en dedans que mon Dieu investit. Levez-vous tout matin. Tu me refuses de mourir dans l'état ça. Tu refuses de vivre dans la situation ça. M'accepter appel là. Ou bon force que mon Dieu investit dans moi. Quatrième, ça m'a pensé avec vous qui exprime une faible estime de soi. C'est un manque de foi dans sa bonne Dieu. Manque de foi. Parce que la foi a une corrélation avec vous-même. Si bon Dieu parle ensemble avec vous, ça bon Dieu dit à ses vérités, c'est vous qui mettez en application. C'est vous-même qui mettez en application. Donc la notion de manque de foi, l'entrée, parce qu'on estime des fois qui faible. Bon Dieu, quand vous dites, on va faire des choses qui sont extraordinaires, et pour ne pas le faire, parce qu'on n'est pas capable. Dans le verset 34, Juge 6, gloire à Jésus. La Bible dit que Gédéon fut reverti de l'Esprit de l'Éternel. Il sonna de la trompette et Abézer fut convoqué pour marcher à sa suite. Je reverti de la trompette. Je l'espère. Est-ce qu'on voit qui j'aime bon Dieu gagne patience avec Michel? Malgré toute la foi qu'elle n'a pas gagné, mais bon Dieu a suivi. Dans le verset 35, il dit une cosa que il envoya des messagers partout. Mais soit les plus bas dans le texte là, je dis on prend le mandat, bon Dieu, signe encore. Je lui ai demandé bon Dieu signe encore. Il m'a demandé bon Dieu au premier signe de Balil. Mais malgré l'esprit, bon Dieu est tombé sous lui. Il m'a dit l'Éternel, si j'ai oublié, je vais mettre trois ans à terre. Fais la pluie pas tomber sous lui. Ou reverti de l'Esprit Saint, ou sonne trompette. Il y a des gens qui suivent jusqu'à présent. Ou a demandé bon Dieu signe. L'esprit bon Dieu est déposé sous. Ou sonne trompette. Que moun ka suiv. Li di, Gédéon convoqué tout le monde. Tout le monde décidé pour suivre Gédéon. Jusqu'à présent, Gédéon pas croire dans appel li toujours. Continue mon adversaire, peut-être ma tombe côté de l'Éternel. Allez, descend bibap moi l'adversaire.
Gédéon dit à Dieu, si tu veux délivrer Israël par ma main, comme tu l'as dit. Verset suivant, qu'est-ce qu'il dit? Voici, je vais mettre une toison de laine dans l'air. Pour l'esprit mon Dieu sous, ou son de trompette, mon âme suit vous, ou faire convocation, mon âme suit vous, je considère comme leader. Il va demander mon Dieu signe toujours. C'est pas un manque d'estime de soi. C'est pas un manque d'estime de soi. C'est pas un low self-estime. Tout ça qui a besoin de joindre. L'esprit bon Dieu sous même. Moun le suivre. Leadership ou établi. Par les moun qui chipe ou. Gen moun qui le suivre. Et puis ou retourne encore à demander mon Dieu signe. Bon Dieu, bon Dieu, bon premier signe. Je vais mettre un texte là sous le camp. Je vais demander bon Dieu signe toujours. Mais non. Comment, Junior? Comment, Junior? Non, il n'est pas possible. Je vais demander bon Dieu signe toujours. Comment? Non, Junior, non. Non. Même si bon Dieu, bon, mon rive est trop loin. Même si bon Dieu, bon, mon rive est trop loin. Non, c'est pas vrai. Bon Dieu, c'est pour vous seul. Vous faites sauver avec mon Dieu. Vous faites sauver avec mon Dieu. Sans pipito, vous virez mon Dieu dans la droite. Vous virez mon Dieu dans la gauche. Vous virez mon Dieu Jean Pipito. Non, comment Dieu dit? Vous vivez trop loin. Il est pour mettre conscience dans la taille. Il est pour accepter l'appel. Il est pour marcher. Parce que l'esprit est sous même. Onction est sous même. Vous avez leadership dans la haut. Je dis, comment? Mais ne sais-tu où l'entraîne ou non, non. Sois un homme. En avant. Sois un homme. On a la bataille. Parce que bon Dieu avec vous. Low self-esteem. Car obstacle pour accomplir destinée. Manque d'estime de soi. Faible estime de soi. Un obstacle pour accomplir destinée. Bon Dieu équipé. Bon Dieu bon tout ce qui a besoin. Libre au don. Libre onction. Libre au l'esprit. Les créons une plateforme pour vous-même. Les fait suivre. Les fait entendre. Mais jusqu'à présent, vous êtes incrédule toujours. Mais son bon Dieu. Bah quand j'ai dit nous bon Dieu comme bon Dieu ça. Bah quand j'ai des gens, t'as besoin de bon Dieu comme bon Dieu ça. Son bon Dieu patient. Ça prouve, frère, le bon Dieu veut faire des choses pour moi. Que moi n'ai pas d'accord, que moi n'ai pas d'accord. Bon Dieu a fait le. Bon Dieu a fait le. Et bien matin, hein, si quand bon Dieu a parlé ensemble avec vous, fait le connaître. Vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez tout ce qu'il faut pour sortir de Kotoya. Mais ça c'est pour vous. C'est dans cet esprit qui dit, peut-être dimanche, je vais venir ensemble avec vous pour me dire qui ça fait ou qui a un self. Je vais venir ensemble avec vous. Si cet esprit dit, je vais me dire pour qui raison que des fois, l'estime de soi baisse. Et je vais ensemble avec vous. Comment vous faites pour relever l'estime de soi? Selon, je vais vous promettre. Parce que c'est l'esprit capable de prêcher l'autre message, dimanche TV. Mais le tabon m'a dit qui cause qui fait que l'estime de soi baisse des fois, est faible. Et le tabon m'a dit comment pour regagner l'estime de soi. Tabon. Mais maintenant, depuis ce monde que mon Dieu relève, mon Dieu n'a pas besoin de le voir dans le ministère pour faire la guerre, non? Il y a des conditions sociales pour ne pas arriver là-dedans. C'est à ce que tu faible estime de soi. Bon Dieu investit en dedans. Regardez les gens qui arrivent. Vous ne pouvez pas entendre Haïtien qui dit ah, nous allons arriver loin. Vous ne pouvez pas entendre Haïtien qui dit ça. Il y a Haïtien qui fait dans le pays. Moi, je ne suis pas fait ici. Mais il y a Haïtien qui fait au Canada. Il y a Haïtien qui fait aux États-Unis. Qui levé ici comme langue. Qui comme système de fonctionnement. Il refuse de quoi arriver loin. Il prend prétexte que noir va arriver loin. Noir, c'est toujours dans la factory pour le travail.
Il va arriver loin, il va arriver ceci, il va arriver cela. Et me demander, mon détail le Perry. Multimilliardaire. Mon Barack Obama, président des États-Unis. Les États-Unis constituent de moins 20% de noirs. Il est président, et si, même si tout noir a voté pour lui, il n'y a pas de président, non? Barack Obama, même si tout noir a voté pour lui, même si il n'y a pas de voté pour lui, son pays majoritairement blanc. S'il arrive président, c'est parce qu'il y a une majorité de blancs qui votent pour lui. Lors, mon Dieu, c'est vous-même qui bloquez tête. Oui. Lors, mon Dieu, c'est vous bloquez tête. Oui. C'est Jean pensé à vous. C'est Jean cruel là. Si mon Dieu insistait avec Gédéon, c'est parce que mon Dieu senti dans la génération Gédéon, peut-être que tout le monde pensait de la même manière. Quitter Gédéon, elle prend l'autre, c'est même état d'esprit. Hein. Mon Dieu dit, au lieu de mal perdre du temps, mal dehors l'autre, vaut mieux que je travaille, Gédéon. Vaut mieux que je travaille, Gédéon. Vous mettez l'opposition jusqu'à ce que la coûte ça m'a dit. Parce que c'est un état d'esprit qui consacre. Mais je dis à qui l'est, je sorti dans l'état d'esprit de médiocrité ça. Qui l'est, je sorti dans l'état d'esprit de faible estime de soi ça. Haïtien pas grand rien, noir pas grand rien. Nous acceptons la position de l'esclavage. J'ai eu de faire comprendre. Nous dépendons de blanc. Ça fait des fois, n'a toujours dit, c'est blanc cause ça, c'est blanc. Mais où même? Dans nos prédicateurs qui ont prêché, dans nos prédications, prédicateurs, ils disent que ça, que y a un bagage blanc, pas jamais montrer non. C'est comment créer business. Il y a à l'école pour montrer comment pour gérer business. Il va montrer comment pour créer business. Mais est-ce que c'est blanc qui obligé enseigner nous ça? Un grand leader noir campé pour le démontrer que l'école blanc pas voyer. Blanc a montré comment pour manager une factory, mais il pas montrer qui gens pour bâtir factory. Mais c'est blanc qui obligé montrer comment pour bâtir factory. Pour que ça fait pas un professeur noir aussi connu qui gens pour faire bâtir une factory. Et bien avant, il a parlé de racisme. Nous dépendons, toutes sortes dépendants de lui. Lui met oui. Toutes sortes dépendants de lui, il met tout. C'est blanc pour aller mettre la paix à Kaino. N'a pas goûté une à l'autre. Haïti, il y a un problème qu'on y a là. Tout le monde, opposition, qui est juste sur américain. Gouvernement, qui est juste sur américain. Sous français, sous canadien. Mais. Toutes sortes dépendent de lui ou esclaves lui. Ou pas, de vous pas mettre tête ou esclaves. Et bien avant, il y en a crié racisme. Raciste. Nous détruisons tête nous. Nous pas prendre destin dans nos mains. Nous créons un état d'esclavage dans nous-mêmes. Malgré nous sortir dans l'esclave, nous pas le travail pour blanc encore. Nous parlons de plantation encore, mais conception en tête nous. Israël sorti en Égypte, mais conception égyptienne dans la tête lui. Avant rien à rendre blanc responsable. Il est pas un dadi. Peut-être que frère, il est pas rien à la vie. C'est où que ça n'en est? Sous ouem qui était petit, moi. Rive la lakaye ou moun nan fait le malhonnête, c'est pas moun nan pour me jouer. Si m'gè petit, moi à l'autre côté, et puis l'el rive côté a, y a maltraité l. C'est pas moun qui a maltraité l'a pour me jouer, c'est propre tête pas pour me jouer. Parce que m'gè doué capable. Quand j'aurai petit moi, de doué capable de prendre soin petit moi, de doué mettre mon position pour prendre soin petit moi. Mais non, mais ça me fait. Le peuple noir, dirigeant, il aurait même été responsabilité à sous le monde. Mais c'est nous qui dirigeons, c'est nous qui dirigeons. C'est nous qui appelons pour nous prendre responsabilité,
Pour je répète, n'a je. Laquelle sous le monde, c'est un tel qui fait ça, c'est un tel qui fait ça. Et responsabilité nous-mêmes. Responsabilité nous-mêmes. Et nous, là, nous avons conscience de ça. Nous aimons un monde responsable. C'est un tel qui fait ça. Nous aimons un monde responsable. Même Jean Gédéon, ce n'est pas lui-même. Son variant héros, il est vrai, mais ce n'est pas moi-même. Environnement, Mathieu n'a pas attaqué nous. Nous sommes dans une petite tribu. Nous sommes là. Nous aimons un monde responsable. Prends responsabilité en main. Prends responsabilité en main. Que bon Dieu bénisse nous, Mathieu. Que bon Dieu bénisse nous, Mathieu. Low self-esteem. La crase nous en tant que race. La crase nous en tant que race. Nous toujours des fois nous sentons inférieurs. Même si nous venons en position, mais nous toujours sentons que nous avons un niveau d'infériorité. C'est l'esclave qui fait ça. C'est ceci qui fait ça. C'est cela qui fait ça. J'ai des gens. Et pas parce que trois petits non. Et pas parce que tribu la petit non. L'éternel est là. Mais le garçon sous. L'éternel tu en avant. Mais le garçon sous. Oubliez état la vie. Oubliez quand on sort. Oubliez famille. Oubliez tribu. Oubliez éducation. Oubliez origine. Oubliez qui rassouille. Songez, c'est bon Dieu que Léo. Il dit et la chose arrive. Il ordonne et la chose existe. Maintenant, je fais un appel à tout le monde que bon Dieu relève pour faire quelque chose pour eux. Mais que attitude de comportement, estime de soi, fait bon Dieu pas qu'à accomplir pour eux. Et si vous regardez le texte là, Jean bon Dieu te relève. Gédéon est où? Gédéon pas fini en héros vrai. Gédéon pas fini en héros vrai. Parce que y a des gens qui t'a fini en héros, il t'a fait des prouesses personnelles. Il t'a fait des grandes choses personnelles. Et ça que les héros, a. Héros, c'est leur détachement de la réalité normale, lui. Héros, c'est leur fait des choses qui pas faites dans ce qui est normal. David, lui-même seul campé devant Goliath. Pendant tout le temps, mais fait 40 jours pour bataille contre lui-même. Lui-même seul remplace son armée. Voici un héros. Voici un héros. Lui-même seul campé devant l'armée. Gédéon, tu dois être capable lui-même seul aussi à la bataille contre Madian. Mais pas ça le faire. Destiné n'est pas accompli. Destiné n'est pas arrivé. Sa bon Dieu est l'aile pour arriver. Monsieur jouit quelque chose, mais ça, bon Dieu, est l'aile pour lui, elle va arriver le vrai. Voilà, prions ensemble avec vous. Si vous sentez bon Dieu, est l'aile pour quelque chose, et puis tu es tout bloqué, ou pas arriver quelque part, à cause de passé, à cause de monde qui est sorti contre la vie, malgré bon Dieu, pardonne, ou pas traîner tout le bagage d'ailleurs toujours. Sur Facebook ou sur YouTube ou sur Radio, je m'a demandé autant prier, s'il vous plaît. Je vais la prier ensemble avec vous. Sur la caille, vous sentez nécessité pour mettre à genoux. Mettez à genoux. Sur la caille, vous sentez que l'huile t'a de tomber sous tête. Je demande à Dieu pour laver l'huile sous tête aujourd'hui. Parce que ça doit finir. Ça doit finir, Mathieu. Mauvaise pensée qu'à voir, je n'en pense pas, ça doit finir. Chaque force sentie inférieure, elle doit finir. Chaque force sentie pas de valeur, elle doit finir. Pas associé à la communauté qu'on y a. Pas associé à la bidonville qu'on habite. Pas dit, je n'ai pas de bidonville, je n'ai pas arrivé quelqu'un. Zone, pas fait moun. Race, pas fait moun. Pays, pas fait moun. C'est bon Dieu qui fait moun. Les bon Dieu est là où? La brèle là où l'on bide en ville. Et puis il faut arriver côté pour arriver. C'est ça que ça fait moun. Ça doit finir, Mathieu. Ça doit finir.
On va prier ensemble avec vous. Fais prier ensemble avec vous. Sur la caille où vous avez une nécessité pour mettre à genoux, mettre à genoux. Mais répondre à potentiel bon Dieu mettre en dedans là. Répondre à capacité bon Dieu mettre en dedans là. Pas reculer, je tiens. Parce que bon Dieu, relève pour faire quelque chose. Si bon Dieu dit c'est héros, ou sont héros, ou à faire des actions héroïques. Et ça fait bon Dieu placer dans les circonstances. Et ça fait bon Dieu quitter vivre dans le moment ça. C'est parce qu'il veut tout dans un héros. Un héros pas vivre dans un temps qui est facile. Un héros vivre dans un temps qui est difficile. Parce que c'est ça qui va le faire pour mettre son héros. Papa, je viens de présence ce matin. Je viens de vous remercier parce que tu es capable de permettre que nous ayons le pouvoir pour nous parler. Et nous avons certitude que les anges tendaient ça nous dire. Et le Saint-Esprit inspiré nous ça pour nous dire aussi. Inspirez-nous à mon Dieu. Papa, n'a pas demandé au matin, par puissance Saint-Esprit. Depuis ce monde qui était à terre, à cause des conditions de la vie, ça a été traversé, que vous avez associé ensemble avec lui. Je dis, c'est pour parole qui a sauté dans vos choses, relevé au côté de vous. Pour qu'on connaisse que, il n'y a pas ça vous pensez. Ça vous dit, autocritique négative que vous avez vous-même. Ce pessimisme que vous avez dans la vie aujourd'hui, qui vous fait connaître toute bagarre, très mal là, je dis à nous effacer cet esprit. Nous relâcher l'esprit de nouveauté en dedans. Pour capable de restaurer, refaire avancer, refaire connaître que l'esprit bon Dieu en dedans. Refaire connaître que bon Dieu n'a pas jamais commencé sous ça que tu es là déjà. Que bon Dieu remet commencer à zéro. Et ça fait je dis à m'a demandé le Saint-Esprit. Depuis ce monde qui est état déplorable, qui n'a pas de changement. Depuis ce monde qui est état déplorable, qui est négatif seulement. Parce que la vie a tellement frappé, la vie a tellement traversé, et par contre, qui s'est préfet, m'a demandé au papa qui est dans le ciel, levez estime. Fais regarder le ciel. Fais regarder tout ça qu'on fait. Fais regarder. Que les gens qui me mettent et faire prendre conscience que Jésus qui devine bailler la liberté sur la terre, lui encore a investi puissance dans nous. Fait nous reprendre confiance dans nous-mêmes. Quel que soit ça, nous enduré. Papa, si la femme samaritaine, tu es capable de reprendre conscience dans lui-même. Lui, papa, lui sorti à Samarie, là, le prêcher. Et il y a des gens qui convertissent. Ça, c'est un exemple pour nous matin. Pour capable faire connaître quel que soit état que tu nous es. Si vous voyez, si vous mettez l'esprit sur nous, non seulement vous attendez, mais vous faites des actions qui sont capables d'attirer l'attention de monde. Parce que vous ne pouvez pas penser si c'est nous qui avons fait ça qu'a fait là. Alors, matin, papa, il y a un peu de jeunes garçons qui sont là. Il y a un peu de jeunes femmes qui couvrent avec la honte. Qui pensent qu'ils ne vont nulle part. Qui est un peu d'adulte, après que le mariage a fini de craser, après que la vie a fini de débalancer, il a souffert en pile, il a caché des souffrances, il a caché des divorces, il a caché des pertes, des maladies, pour dire que je n'ai rien, pour dire que la vie n'a pas souri. Maintenant, au nom de Jésus-Christ Nazareth, quel que soit ça où tu vives, quel que soit ça où tu connais, quel que soit ça où tu traversé, m'a demandé que l'esprit ou qu'a descendre sur Yokunia pour effacer la mémoire tout ça retardé, tout ça que Dieu m'a jamais rien, tout ça que Dieu m'a jamais arrivé quelque chose et ben yo force la que l'esprit sur relâcher puis elle fait des choses extraordinaires. Matin nous bénis quelques héros. Nous bénis quelques héroïnes. Matin, le Saint-Esprit, levez tête. Le Saint-Esprit, encouragez-vous. Sortez dans la prière. Sortez dans la douleur. Sortez dans le désespoir. Sortez dans tout ça qui est beau, captif par pensée. Levez tête. Regardez, j'ai mon Dieu, nous je tiens. Parce que si vous avez dit qu'il n'y a pas de temps encore, c'est cause ou même. Au nom de Jésus-Christ, ma bénédiction.
Va avec la force que tu as. Délivre ta famille. Délivre l'église. Délivre. Va avec la force que tu as. Que bon Dieu bénisse. D'après que y'a offrande qu'on y a, quel que soit côté.